Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 18 décembre 2022. Ne vous y trompez pas, hein. La France ne gagnera pas la finale contre l'Argentine. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors pourquoi ne pas ramener la coupe et la couronne à la maison? Allez les Bleus! Oh, ma pauvre petite Indira, tu n'es qu'un enfant. Il est 14h37, je vous montre ça tout de suite. Je vais vous mettre le lien. La page de l'heure. Voilà. Dimanche 18 décembre 2022, 14h37. Donc nous sommes à moins d'1h30 du début du match. Et on va parler d'un certain nombre de choses avant cette finale France-Argentine. Je veux que vous sachiez que les multimillionnaires qui jouent à la baballe, qu'on appelle footballeurs là, eux, ils ont accepté l'injection expérimentale contre le Covid, on va l'appeler le Covid, pour ne pas être censuré. Les multimillionnaires qui jouent à la baballe ne risquent pas de se trouver plongés dans le froid et dans le noir s'il y a des coupures d'électricité. Ils n'ont pas notre train de vie, ne l'oubliez jamais. Il y a un grand événement qui rassemble plein de personnes. Même le président se déplace au Qatar pour aller voir la finale. Le monde entier regarde ça, même des gens qui n'aiment pas le football. Eh bien, je profite de ce moment pour parler de choses plus importantes. Nous sommes des enfants de Dieu. Ces gens sont dans leur monde, ils ont choisi le diable, ils savent où ils vont. C'est important qu'on sache où nous allons. Et nous ne perdons pas en chemin. Nous ne sommes pas les bienvenus dans ce monde. Ce monde ne nous aime pas. C'est le monde du diable. Si Dieu n'existait pas, pourquoi des gens comme moi existeraient? Des gens qui résistent au système comme ça. Pourquoi des gens comme moi existeraient? Ça n'aurait aucun sens. La censure, c'est quelque chose de bien réel. Figurez-vous que le Wi-Fi de McDonald's me censure. Et je suis pas le seul. Si, si. Allez vous connecter avec votre smartphone au Wi-Fi d'un McDonald's. Vous allez sur Internet avec le Wi-Fi d'un McDonald's. Vous connectez au Wi-Fi du McDo. Et ensuite, cherchez ma chaîne YouTube. Vous tapez Emmanuel ABT dans YouTube. Vous allez trouver ma chaîne YouTube, mais vous verrez que beaucoup de vidéos n'apparaissent plus sur ma chaîne. Dès que vous êtes connecté au Wi-Fi du McDonald's. Même la vidéo qui est en bande annonce de ma chaîne YouTube, elle n'apparaît pas. Eh oui. Vous savez, Jésus a dit une grande parole qu'on a tendance à ignorer, qui est tellement importante pourtant. Et vous remarquerez que vos pasteurs ne vous parlent jamais de ces propos de Jésus, qui sont pourtant ô combien importants. Prenez Marc chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce que Jésus dit? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Est-ce que vous avez bien entendu? Citez-moi un pasteur que vous connaissez qui vous a parlé de ces propos de Jésus. Aucun pasteur ne vous parle de ces propos. Pourtant, ces propos sont centraux dans la vie de Jésus. On peut même prendre Jean chapitre 12, verset 25. C'est dans le même esprit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Citez-moi un pasteur qui vous a déjà cité ces propos de Jésus. Personnellement, je n'en connais pas. Ça me permet de vous rappeler que l'Église n'a jamais été un bâtiment selon Jésus. Il y a tellement de preuves que l'Église n'a jamais été un bâtiment selon Jésus. Je vais juste vous prendre un passage de la Bible, Luc chapitre 24, verset 50, jusqu'à la fin, quoi. Je vous le lis. Alors, il faut que vous compreniez le contexte. Là, Jésus est apparu à ses disciples après sa mort. Et donc, je vous le lis. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, donc pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, donc pour les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
dans le temple. Ils sont retournés dans le temple à Jérusalem. Est-ce qu'ils sont retournés dans une église? Non. Ils sont retournés dans un temple. Un temple juif. Et là, Jésus était déjà mort et ressuscité. Alors, où étaient les églises à ce moment-là? Mais il n'y en avait pas, parce que ça n'a jamais existé, sous forme de bâtiment en tout cas. Une église n'a jamais été un bâtiment, selon Jésus. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que Jésus n'a jamais mentionné sa couleur de peau. Il y a des gens qui ont pris l'initiative de le représenter en homme blanc. Il y en a d'autres qui disent qu'il serait noir et qu'on nous le cache. Des gens, quelle importance? Est-ce que Jésus a parlé de sa couleur de peau? Est-ce que Jésus a voulu qu'on en parle de ça? Jamais. Ça n'a jamais été un sujet pour Jésus. Donc, laissez les gens prendre leurs initiatives maladroites, malencontreuses, inconvenantes, en représentant Jésus comme un homme blanc avec des longs cheveux. Ça, c'est leur problème. Ils auront à en répondre devant Dieu. Parce que je rappelle qu'il est interdit de représenter ce qui est dans les cieux. Donc, quand ils représentent Jésus dans les nuées, sous forme d'homme blanc avec des longs cheveux, ils auront à répondre de ça devant Dieu. Car c'est interdit dans la Bible. Vous, restez centrés sur ce que Jésus a dit dans ses évangiles. C'est ce qui doit vous intéresser. Et je fais comme vous. C'est ce que je m'efforce de faire. Vous savez, le diable n'a pas de limite dans la ruse. J'ai grandi en Guadeloupe. J'ai été au collège en Guadeloupe. J'ai été au lycée en Guadeloupe. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de chanteurs, de jeunes chanteurs antillais qui mettaient l'ambiance à cette époque. Ces jeunes chanteurs antillais disaient « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu ». Et dès que tu entendais « Bon Dieu », tu te disais qu'ils avaient la foi en Dieu. Mais je n'avais pas le réflexe de me demander si ces chanteurs parlaient d'un Dieu qui avait un rapport avec Jésus, avec celui qui s'est sacrifié pour nous à Golgotha pour nous racheter du péché. Ces jeunes chanteurs parlaient de Jah, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Et je vous ai dit, le diable n'a pas de limite dans la ruse. Tu entends « bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu », mais de quel bon Dieu parle-t-il? Je vois des gens qui font des lives, qui disent « le bon Dieu me protège, le bon Dieu me soutient, le bon Dieu est avec moi ». Mais les gens, le diable n'a pas de limite dans la ruse. Posez-leur la question, est-ce que le bon Dieu dont tu parles a un rapport avec Jésus, celui qui s'est sacrifié pour nous racheter du péché? Vous savez, Satan fabrique ses propres lanceurs d'alerte. Satan fabrique ses propres dénonciateurs même. Sur Internet, j'en vois des lanceurs d'alerte fabriqués par Satan. Il dénonce même le satanisme. Par contre, demande à ces lanceurs d'alerte s'ils considèrent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et là, tu verras leur vrai visage. Ils vont te justifier leur refus de Jésus par le fait qu'ils disent « Oui, mais moi je ne crois pas au Jésus blanc. » Mais ça, c'est une ruse de Satan encore. Puisque des gens ont pris l'initiative de représenter Jésus en homme blanc avec de longs cheveux. Mais ça, c'est leur problème. Ils auront à répondre de ça devant Dieu. Mais toi qui lis la Bible, qui lis les évangiles, est-ce que tu as un seul passage où Jésus évoque sa couleur de peau? Non. Donc ce n'est pas un motif valable pour rejeter Jésus. Ils disent qu'ils croient en l'Éternel, en Jah. Mais Jésus n'est pas dans leur bouche. Donc, je le répète, Satan fabrique ses lanceurs d'alerte. Satan fabrique même ses propres dénonciateurs. Le diable n'a pas de limite dans la ruse. Et c'est facile pour lui d'avoir des lanceurs d'alerte efficaces puisque c'est le monde de Satan. Donc, quand Satan fait des mauvaises choses dans ce monde, corrompt les politiques, eh bien, Satan va dire au lanceur d'alerte qu'il a fabriqué le mal qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que ça me fait rire parfois de voir des lanceurs d'alerte. Tu vois bien qu'ils lisent un texte qui n'a pas été écrit par eux. Parce que leur texte de dénonciation a été écrit par des démons qui leur transmettent ça. Et donc, tu vois bien qu'il y a un décalage entre les dénonciations que ces lanceurs d'alerte fabriqués par Satan font et leur intelligence dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas en phase avec ce qu'ils dénoncent, avec la qualité de leur dénonciation, parce que leurs dénonciations ne viennent pas d'eux. C'est tellement marrant de voir comment les vidéastes font semblant de croire en leur nombre d'abonnés. Tu vois cette youtubeuse qui est là, qui dit
On est bientôt à 300K, c'est un truc de fou! Il y a 300 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, c'est un truc de fou! Arrête ton cinéma, Miss. Tu sais très bien que c'est pas des vrais abonnés. Tu sais très bien que tes abonnés, pour la plupart, ne sont pas des humains. Tu le sais très bien. Tu as pactisé avec les démons pour avoir ce nombre d'abonnés. Eh oui. Parce qu'il faut savoir, les gens, que ce sont les démons qui vous donnent un certain nombre de vues, de likes, un certain nombre d'abonnés. Le compteur d'abonnés, le compteur de likes, le compteur de vues, tout ça, c'est faux. J'ai tellement vu des démons à l'œuvre en train de supprimer des vues, supprimer des likes, supprimer des abonnés. Il y a un quota de vues, un quota de likes, un quota d'abonnés qu'on ne peut pas atteindre naturellement en général. Là, c'est les démons qui prennent le dessus. Il y a une contrepartie à ça. Lorsque les démons t'offrent des vues, des likes, des abonnés, il y a un type de choses que tu n'as pas le droit de dénoncer. Citez-moi un YouTuber en tendance, un vidéaste, un personnage célèbre des réseaux sociaux qui est anti-vax et qui l'assume. Ça n'existe pas. Parce que quand les démons te donnent du succès avec de fausses vues, de faux likes, de faux abonnés, t'as pas intérêt à dénoncer un certain nombre de choses du système. T'as pas le droit. L'une des techniques des démons, c'est de vous donner beaucoup d'abonnés dès le départ. Ils vont vous donner, par exemple, 20 000 abonnés. Par contre, c'est pour pouvoir agir psychologiquement sur vous après. De temps en temps, ils vont retirer 100 abonnés, 200 abonnés. Ils vont t'en donner 50, ils vont retirer 60, tu vois? C'est une façon d'agir psychologiquement sur toi parce que dès que tu te connectes sur ton tableau de bord, tu vois le nombre d'abonnés que tu as gagné et perdu. Donc ça agit psychologiquement sur toi. C'est comme ça que les démons agissent sur toi. Ils t'offrent 20 000 abonnés, peut-être 30 000 abonnés, mais pour mieux agir psychologiquement sur toi et sur ton type de contenu. En fonction du nombre d'abonnés qu'ils vont retirer, que les démons vont retirer, là tu te diras, ah, il faut peut-être que je parle plus de ça. Peut-être que je ne parle plus de ça n'intéresse pas les gens. Ils ont l'air de partir. Ils vont même retirer tes likes, ils vont même retirer tes vues. Ils vont bloquer tes vues, bloquer tes likes. Ils font ça pour agir psychologiquement. C'est comme ça qu'ils font, les démons. Il faut pas se laisser avoir par ça. D'accord? Les statistiques YouTube sont gérées par les démons. L'algorithme, c'est une immense foutaise. Et les YouTubeurs, les vidéastes, les personnages célèbres des réseaux sociaux ont pactisé avec les démons pour avoir ce succès. Il y a un type de vues, un nombre de vues, un quota de vues, un quota de likes, un quota d'abonnés qu'on ne peut pas atteindre naturellement, en général. Léna Situation le sait très bien. Cyprien le sait très bien. Norman le sait très bien. Norman qui vit des moments un petit peu délicats ces temps-ci. Hein. Problème de gestion de courgettes, on va dire ça comme ça. Ah ben oui, hein, comme je dis toujours, hein, faut pas planter des courgettes sur des terres trop jeunes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai aucun mal à dire que je suis le vidéaste le plus combattu de l'histoire d'Internet. J'ai aucun mal à le dire. J'ai été insulté par une plateforme mondiale pendant plus de 2 ans. YouTube, pour ne pas la nommer. Eh oui, insulté par YouTube pendant plus de 2 ans. Je parle même pas de Google qui s'arrangeait pour que toute chose négative à mon endroit soit mise en avant. Tu tapais mon nom, tu tombais directement sur des choses négatives dites à mon endroit. Heureusement, Dieu m'a donné la sagesse pour répondre à mes détracteurs, dont un qui a pris une belle fessée intellectuelle. Ça, je peux vous dire qu'il s'est fait tout petit maintenant. C'est malheureux d'en arriver là. Hein. Moi, j'aime pas infliger des corrections comme ça aux gens. Mais faut pas chercher la mouise. Je reste un être humain parfait, pécheur, qui se repent tous les jours. Et je vous invite à suivre Jésus, pas à suivre Emmanuel Hébété. Emmanuel Hébété n'a pas écrit les évangiles. Hein. J'ai comme mal à vous dire qu'être anti-vax, c'est un devoir moral et absolu. Un anti-vax, c'est un héros. Parce que l'injection, la tchouf-tchouf, là, c'est le plus grand génocide d'animaux de l'histoire. Oui, vous m'avez bien entendu. Et les injectés, je vais vous appeler comme ça, les injectés sont complices de génocide d'animaux. Pour que vous me compreniez, je vais parler de vaccin, pour ne pas citer le mot, pour ne pas me faire censurer, et je vais parler de coïd. Vous m'avez compris, je pense. Le coïd, ça devient même sexuel, pratiquement, cette histoire-là. Donc, faut bien comprendre que les injectés sont complices de génocide d'animaux. Je sais que c'est fort ce que je dis. Mais les injectés sont complices de génocide. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du nombre de personnes qui se font injecter que les États commandent des doses au laboratoire. Et donc, l'argent que les laboratoires récoltent de ces commandes leur permettent de continuer leurs expérimentations animales. Donc, ces expérimentations animales font que des animaux sont capturés, incarcérés dans ces laboratoires,
dans des cages, dans des conditions innommables, ils sont dépecés. Ces animaux passent leur temps à pleurer, à crier. Toute leur vie est une vie d'expérimentation. Et où sont les militants véganes extrémistes qui veulent protéger les animaux? Est-ce que vous les avez vus pendant les 2 ans de Covid devant les laboratoires? En train de dire « ça suffit, libérez ces animaux ». Il n'y avait personne. T'as l'impression que le véganisme n'avait jamais existé pendant les 2 ans de Covid. Toutes les espèces peuvent servir aux expériences. C'est des animaux qu'on ne voit ou qu'on ne verra jamais quand on ne travaille pas au sein d'un laboratoire. On ne verra jamais en fait l'animal de laboratoire. La vie d'un animal de laboratoire, c'est une vie d'incarcération. Une vie de hurlement, de pleurs. Parce que on évalue la souffrance de ces animaux pour tester l'efficacité des médicaments et des vaccins. C'est en fonction de la douleur de l'animal que tu sais si le médicament est efficace. Donc la vie d'un animal de laboratoire, des animaux de laboratoire, c'est une vie d'incarcération, de dépeçage, de hurlement, de pleurs, de souffrance infinie. Et plus les gens se font injecter, plus les États commandent des doses au laboratoire, et plus l'argent permet de capturer d'autres animaux pour d'autres expérimentations animales. C'est un cercle vicieux et ça ne s'arrête pas. Donc les non-injectés, les non-vaccinés sont des héros. Être anti-vax, c'est un devoir moral, un devoir absolu. Et c'est un non-vegan qui vous parle. Alors à tous ces animateurs télé, ces chroniqueurs qui se croient en position d'insulter toute une partie de la population parce qu'elle refuse de se faire injecter, ma réponse, la voici. Ne vous y trompez pas, les gens. La France ne gagnera pas la finale contre l'Argentine. Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie.